L'hypomanie souvent fascine, distrayante pour les cliniciens, agréable pour les patients, elle n'en demeure pas moins un état à très haut risque. C'est pourquoi nous avons décidé au cours de ce 17e congrès de l'encéphale de réunir autour de Marion Le Boyer et de Rachid Alouane des experts des troubles bipolaires pour parler de cette question de l'hypomanie, un état de tous les dangers. Daniel Souéry nous présentera les différentes formes cliniques de l'hypomanie, puis c'est Gilles Berti qui nous fera une description sémiologique précise de ce symptôme cardinal qu'est la tachypsychie. Ensuite, Jean-Michel Aubry nous parlera des liens toujours intrigants entre créativité et hypomanie. Et enfin, j'évoquerai la question de la prise en charge thérapeutique de l'hypomanie. Nous vous attendons donc nombreux pour ce symposium qui sera très attendu sur la question de l'hypomanie.